Zombie Apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve du coup pour toujours Assassin's Creed Unity. Donc je viens de sortir le premier épisode 1, voilà, c'est plus simple à dire. Et comme je vous ai dit, en fait, je ferai un épisode sur l'histoire principale, et un deuxième avec toutes les quêtes annexes, enfin tout ce qui est annexe en fait, les choses que je trouverai dans mon chemin, on va dire annexe. Donc là, on est parti. Donc je vais regarder ici ma carte. Alors là, nous avons ça. Je sais pas ce que c'est. C'est une cocarde. Donc je sais pas ce que c'est une cocarde. Donc là, nous avons une boutique à débloquer. Et nous avons beaucoup de coffres. Et là, nous avons du coup. C'est moi ça. Je pensais que c'était un point de synchronisation. Donc on va aller voir directement ce que c'est qu'une cocarde, vu que j'ignore. Je vais mettre le petit point, voilà. Hop, et on est parti. Allez, c'est parti. Enfin, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de regarder les deux, hein. C'est en fonction de votre choix, de votre temps, etc. Qu'est-ce qu'une cocarde ? Parce que là, j'y suis. Donc, on dit, ça va être là-haut. Ça se voit, c'est un peu en fait comme les autres séries, genre des fragments, trucs comme ça en fait. Ça se trouve, c'est un truc comme ça. Non ? Oui, si, c'est ça. Ok. Voilà, donc c'est un objet à collectionner. Donc voilà. Alors, on reprend la carte. Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a des coffres. Donc, je vais les prendre. Je vais prendre les coffres tranquillement. Après voilà, là pour l'instant on vient de commencer la série, donc forcément il n'y a pas énormément de choses. Donc après je pense qu'il y aura d'autres choses, peut-être un peu comme dans Rogue, etc. et tout, des contrats d'assassins, bon, c'était pas capable de monter, lâche tout, je sais pas, faire quelque chose. Des contrats d'assassins, choses comme ça, et tout ça, ça sera là. Donc voilà, on verra ça ensemble tranquillement. Donc là je vais prendre le coffre. Ah, on peut carrément rentrer à la maison, c'est cool ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que tu as ? Mon père était un excellent arracheur de dents. Il m'a tout appris. L'enfer n'est pas si lointain, cervelle d'oiseau. Tu l'as devant toi. C'est quoi ? Elle est faire foutre, là-bas. Hein ? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Tu veux pas attendre ton tour, toi ? Il y a la caméra qui suit beaucoup. Allez, hop. C'est bientôt fini. Allez. Voilà. Aïe, merde. Eh ouais, tu n'as pas eu de froid. Aïe. Et quand tu tapes, c'est pas pour rien. Franchement. Alors, est-ce qu'on peut les piller du coup? Ouais, on peut les piller. Donc, je vais le faire. Je ferai des pas à chaque fois, mais... En fait, ouais, on les tue pas. Et c'est en francs. Comme à l'époque. C'est bon, ça. Pour ceux qui connaissent les francs, bon. Il n'y aura pas beaucoup de personnes, à mon avis, hein, mais bon. Remède au complet. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Et les coffres sont à collectionner aussi, donc ok. Alors, donc, je vois sur ma carte que j'ai un autre truc. Je sais plus comment ça s'appelait tout à l'heure, j'ai plus le nom en tête. Enfin, ce qu'il y a là, devant moi, là. Donc il est dans le coin. Il doit être sur la corde aussi. Allez, monte. Allez, monte. Allez, monte. Voilà. Il est là. Donc, ça s'appelle comment déjà ? Des cocardes, voilà, c'est ça. Le coffre, il doit être en dessous, je suppose. Hop, hop. Non, c'est encore en dessous. Hop là. Putain, le mec, il me voit, je fais 2 mètres à côté de lui, il voit même pas, quoi. Ah non, mais lol, hein. Allez.
Oublions ça. Mais oui, c'est pour rien. Ne me force pas ici. C'est pour rien. Regardez, je vais pouvoir monter sur le gros bruit. Ah non. Ah, je pensais hein, pourtant, je me suis dit, ouais, nickel. Ah, elle en même pas. Eh non, ça aurait été trop beau, vous me direz. Hein. Ah, j'y ai cru, hein, franchement, j'y ai cru. Ah, bon, alors. Du coup, celui-là, il doit être là-haut. Alors, hop. Ouais, si tu veux, mais non. On va monter là, nous. Je sais pas s'il est en haut ou en bas. Je sais pas. Apparemment, il serait pas sur le toit. À moins qu'il est en haut, mais... Non. Putain, les toits sont bizarres, hein. Putain, c'est pas droit, hein. Sérieusement, l'architecte était un peu blurry, hein, quand même, hein. Allez, on va descendre. Voilà. Donc là, on a un coffre, déjà. Ok, je sais pas pourquoi ils sont jaunes ceux-là. Je sais pas du tout. Y a pas une... quelque chose d'ouvert, une fenêtre, une porte. Non, y a rien. Bon, c'est pas grave, on va monter. Hein. On va monter, y a pas de problème. Allez, et regarde le coffre, il est bien plus blanc là, donc ça doit être en haut à l'étage, je pense. Ah oui, il est bien sombre. Donc, je pense que ça tient l'étage. Allez, descends. Là. Ah, bah tiens. Il est où ce coffre? Faut que je monte quelque part, mais il est où ce coffre? J'aimerais s'il n'y a rien ouvert en fait. En... Tout cela fait. Voilà. Je suis passé. Pas d'inquiétude. Ils sont vraiment aveugles, franchement. C'est pas pour dire. Hop là. Voilà comment se met des gardes en 5 minutes. Pff, ils sont en bas. Hop, voilà. Ah, ça doit demander naze. Demander naze. Allez, hop, on le ressort. Waza! Waza! C'est le dernier mot que tu entendras. Je suis citoyen. Vous me direz sûr qu'il y a plein de citoyens à côté. Non mais lol. Aïe. Allez. Ah mais non mais. Eh, tiens bien ces fils de chien. Putain. Tiens même très 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 bien. Je trouve un peu trop bien à mon goût d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc là, on a un coffre aussi. Qui est là? Juste à côté des gardes, normal. Voilà. Par contre, je vais regarder vite fait. Eh ouais, trop tard. Juste regarder, c'est quoi ça? Juste à côté, la flèche, là. Déplacement rapide, d'accord, ok. La caméra, s'il te plaît. Allez. Putain, je trouve les combats beaucoup plus réalistes et beaucoup plus beaux au niveau spectacle, je trouve, que dans les autres rogues ou n'importe quoi. Putain, je trouve niqué mon garçon. Et oui, ils sont même pas morts. Parce qu'avant, les autres, dans les autres, ils étaient vraiment morts directement. Et là, on les voit vraiment en train de souffrir, quoi. On les voit vraiment en train de saigner, souffrir et tout.
c'est des détails, hein, vous me direz, mais c'est des détails tellement plus réalistes, on va dire, que moi ça me choque et ça me fait du bien de voir ça, quoi. Je me dis, voilà, au moins le jeu, il est vraiment complet. Hein. Après, je vais aller la suite, forcément. Alors, où est-il le coffre, s'il vous plaît, mesdames? Ouais, putain, c'est classe. Classe. Bien. Le coffre, il doit pas être là, je le vois pas. Il serait peut-être là-haut, par contre. Hop, là, on monte. J'entends, il est là. Hop là. Tu me fais quoi, toi? Non mais comment il se vénère, le gars? C'est bon, hein? Me casse. Alors, ensuite... Ensuite. De toute façon, je vais faire tous les coffres, hein, je vous le dis directement. Bon, il en reste un là. On n'est pas dans le chemin, donc on n'ira pas là. Je vais mettre le point là. Parce que moi, voilà, vraiment, mais moi, dans... Il y a certains jeux, je m'en fiche, entre guillemets, de faire du 100% ou pas, au niveau des trophées, PES. Mais d'autres, non. Et vraiment, lui, non, je m'en fous pas, en fait. Lui, ça sera vraiment, je ferai 100%, de toute façon... Après voilà, moi je vous mets cette vidéo là, je sais pas si vous allez la regarder ou pas, de toute façon, mais au moins vous savez ce que je fais moi. Il est où? Il est où le coffre? Il a pas l'air d'être en bas. Allez, non, il est pas en bas. Allez, poussez-vous. Là, c'est où j'étais. D'accord, donc il doit être là-haut. Allez, monte. Allez, monte. Au pire, là, peut-être. Là. Et non, même pas. C'était là où j'étais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Allez. Ah si, ah il y a le grenier, je viens de le voir. Allez. Allez, hop. Ouais, c'est un grenier ça, moi tiens. Voilà, ensuite... On va faire celui-là qu'à côté. Directement. Allez, mon garçon. Dites-moi par commentaire, ça a été lequel. Oh, puis je demanderai peut-être ça sur l'histoire principale aussi. Pour ceux qui ne regardent pas celui-là, mais votre Assassin's Creed préféré. Pour ma part, c'est vraiment Black Flag. C'est... Voilà, ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment mon bébé, quoi. Enfin, je veux dire, je le trouve formidable. Il a vraiment été super bien conçu. Par contre, c'est rien qui descend, mon garçon. Voilà. Il a été vraiment super bien créé et ça a vraiment été mon coup de cœur, quoi. Je veux dire... Interagir. Alors, boutique, remède, restituer votre santé. D'accord, donc t'as que ça à me vendre. Toi, parce que j'ai pas débloqué non plus beaucoup de choses, hein, en principal. Bon, moi je vais faire celui-là. Comme ça. Ouais, on va faire celui-là. On va venir là, et voilà. Alors, hop. Ah, oh, puis on croirait que c'est loin, mais en fait, c'est juste à côté. Hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors, celui-là, ici, du coup. On va pas être loin. La tour, là, on l'a faite, je crois. Vous savez qu'on était la dernière fois, non? Dans la mesure où peut-être que c'est pas ça, je vais y aller. Enfin.
tac, et on va monter sur la tour. Du coup, je sais pas du tout si c'est celle-là que j'ai synchronisé dans l'histoire ou pas. Enfin, dans le scénario de l'histoire, hein, parce que c'est partie de la mission. Donc, je vais aller voir, au pire, hein. Et il me semble pas que c'est celle-là. Il me semble pas du tout. Allez. Allez. Allez, mon garçon. Voilà. Non, ça ressemble pas, je crois. Et voilà. Elle va synchroniser. J'ai bien fait de passer par là. J'ai bien fait. Ah, je trouve ça magnifique comme paysage. Enfin, comme vue plutôt. C'est même pas le paysage, c'est de la vue quoi. La vue elle est juste immense quoi. Elle est juste énorme. Parce qu'on a même la mer là-bas. Bon, la mer à Paris, j'ai un peu mal à y croire, mais. Pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Alors. On va remettre la carte. Donc nous, on va s'arrêter au premier quartier. Le deuxième, on verra ça plus tard. Alors, du coup, la quête principale est là. C'est quoi à côté? Un point nomade. Bon, bah, on va voir ce que c'est, de toute façon. Je vais chier mon coffre par là. Donc, voilà. Rien pour sauter, là. Allez, hop. Tout en classe, allez. Ouais, vas-y mon garçon. Allez. Allez. Et voilà. Et il a quand même beaucoup plus le swag à descendre qu'avant. Franchement. Peut-être parce qu'il est plus jeune, hein, je sais pas, mais. En tout cas, rien à dire. Alors. Donc la quête principale, je ne la fais pas. Alors, le point nomade, il est situé en haut. Donc, je vais voir ce que c'est. Ça intrigue. Alors, du coup, on va monter l'escalier. On va prendre le coffre. Qui a l'air juste là. Voilà. Tac. Le point nomade. Qu'est-ce que tu fais, toi? Point nomade. Ce sera en haut, alors. Là, j'y serai. Ah, ouais, d'accord. Là. Ah non, c'est bon, j'ai récolté. D'accord, ça c'est. J'ai récolté ou pas? Ah d'accord, si on peut les récupérer 24 heures après. Ah d'accord, c'est pour les multi, donc je sais pas trop quoi ça sert. Franchement, je savais même pas qu'il y avait ça. Donc si j'aurais su, j'aurais été un peu renseigné. Mais je vais regarder ça pour le prochain coup, de toute façon. Allez, tu descends. Tu descends. On va voir ce qu'il vend, le monsieur, là. C'est le même que tout à l'heure. Ouais. Ok. Bon alors, maintenant, la carte. Il y a un petit coffre juste à côté. Allez. Allez, on se pousse. Allez, monte. Là, il est clairement là-haut. Y a pas de doute. Y a pas de doute possible. Allez, hop. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu es obligé de passer, tu peux pas t'arrêter. Ah si, quand même. On va bien sembler aussi, quand même. Pas prendre pour un con non plus. Voilà. Tu prends le coffre qui est là. Moi, pendant ce temps, je vais regarder où sont les prochains coffres. Hop, voilà. Ça, c'est un beau travail d'équipe. Allez, on est reparti. Voilà. Ouais. Tu peux descendre aussi, hein, ouais. C'est pas parce que tu es acrobatie. Enfin, tu fais des acrobaties, puis... Ah ouais.
classe! Cueille ces petites pommes. Moi, je suis un peu vache, là, je vais tomber, mais bon. Je suis pas comme ça. Enfin, du moins, j'ai pas envie pour l'instant. C'est quoi ça? Ah, il y a même des chèvres et tout. Ouais, c'est sympa. Je savais pas qu'il y avait tout ça dans celui-là. Je suis un peu comme vous, en fait, je découvre le jeu. Je connais pas du tout le jeu, donc... Oh non, j'aime pas les labyrinthes. J'aime pas les labyrinthes, c'est nul. Oh putain. Là. Donc là, je vois qu'il y a un truc juste à côté. Vous n'ignorez pas tout. Bon, c'est un petit labyrinthe, ça passe. Ah, t'es un gros jeu, peut-être que j'aurais fait réapparition rapide, hein, parce que j'aime pas ça, voilà, tout simplement. Allez. Là. Ensuite, il y a un coffre là. On va aller directement y aller. En passant. Ah, on peut passer dans les maisons, mais pas monter dans les lits. Non, mais normal, quoi. Ça ne coûte pas plus cher, mais bon, c'est pas grave. C'est bah, on fait plus quelqu'un d'autre. Oui, je m'en vais. Je m'en vais, c'est bon. Oh là là. On dit que les Français sont grincheux, mais ça se voit. Alors, où est-ce qu'il est, le petit coffre? Je vais monter en haut, moi. J'ai pas envie de m'embêter. La maison des plantes. Allez. Allez. Donc c'est en dessous. Ok, il est là. Il est là. Viens ici, toi. Excuse-moi, je vous regarde juste mon corps. Hé, hey, toi là-bas, halt. Je vais t'écraser la troye et me servir de ta langue comme cuir à polir les lames. Pour les vrais patriotes. Arrête sur lui. Personne ne m'échappe. Ah, la caméra, elle a énormément de mal à suivre, c'est vrai. Ah putain, bah ouais, mais je sais pas si vous voyez un peu la caméra, comment je galère, quoi. Ah, elle se prend les murs et tout, enfin... Ah, ils ont travaillé les... ils ont travaillé comment leur générique des débuts, ils ont travaillé énormément de choses. Mais alors, la caméra, il y a des choses à faire. Alors, c'est pas grave, hein, de toute façon. Hop là. Donc là, nous avons un truc juste à côté de nous. Voir, c'est moi qui n'arrive pas à gérer la caméra, je sais pas, mais on verra. On verra la suite. Hop. C'est au moins. Je vais monter par le toit. Rue des mauvais garçons. Il y a des mauvais garçons dans le coin. Parce qu'il y a rue des mauvaises filles en même temps. Enfin, je regarde un petit peu les rues d'ailleurs quand je passe. Après, il y a des rues françaises, bah vraiment françaises entre guillemets, qui existent vraiment. Je sais pas. C'est, je sais pas du tout en fait. Parce qu'ils ont pris la ville de Paris, mais est-ce que du coup ils ont pris les vrais monuments? Oui. Après, est-ce qu'ils ont pris tous les monuments? Je sais même pas. Bon, je pense que oui, de toute façon, ça m'inquiète pas. Mais après, du coup, est-ce qu'ils ont pris vraiment les bonnes noms de rue et tout? Je sais pas du tout. Je vais essayer de voir ça. Je vais sortir par là, ouais. Je vais pas m'embêter. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des pancartes de mes deux rues là? Ah si, là, on a une. Rue de la. Rue des Tournelles. Ouais, rue des Tournelles. Bah, je vais pas Paris en fait, donc s'il y a des Parisiens qui regardent cette vidéo là, dites-moi. Bah, dites-moi par commentaire si ça vous dit quelque chose, c'est mon rue quoi. Ou si vous savez clairement. Du coup, je vois même plus les coffres. Excusez-moi, je passe. C'est en haut. Hop, donc on va pas s'embêter.
Allez. Tac. Et tac. C'est en haut, c'est en bas du coup. Allez là. Il est là le coquin, il s'était caché. Allez, allez, voilà mon garçon. Bon, tu peux prendre le coffre, Jaco? Merci. Je crois que c'était le dernier en fait. Je crois que c'est le dernier du coin. Enfin, vraiment de la zone. Ouais, pas normal. Bon bah voilà. On a fait toute la zone là. Donc c'est quoi le nom de la zone? Saint-Louis-Versailles. Donc toute la zone de Versailles, on l'a faite. Et le prochain coup, en fait, dans cette vidéo là, je ferai la deuxième partie de Versailles. En même temps, c'est que de Versailles, j'ai l'impression. Voilà, ouais, c'est côté Saint-Louis et là c'est côté Récollet. Ok, il faut comprendre. Donc là, on a fait côté Saint-Louis, Versailles. Et le prochain coup, on fera dans cette vidéo-là, donc dans cette série-là, les Récollets de Versailles. Voilà. Donc en espérant que mes deux séries vous plaisent, j'espère vraiment quand même. J'essaie de varier un petit peu, mais après, n'hésitez pas à me proposer des jeux par commentaire. Me dites ce que vous pensez de ce jeu-là en question. Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et répondez-moi à la question, du coup, si vous le savez. Par rapport à les noms de rue, si c'est des noms de rue typiquement parisiens ou si c'est des rues qui ont été un peu inventées. Quoi. Voilà, et eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt sur GSO Gaming. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et à vous abonner si c'est pas fait. Merci et à bientôt.